Devant la créature ou devant confrontation. Le créateur. Écoutez, Dieu n'a pas créé. Parle à lui. Dieu nous a tous créés. Dieu n'a pas créé. Il nous a tous créés. Pourquoi? Toi, on t'a créé. Ton père t'a créé. C'est Allah qui m'a dessiné dans l'utérus de ma maman. C'est lui qui m'a dessiné comme il voulait. Avant qu'Allah. Il n'y a pas de père. Non, il n'y a pas de première famille. Moi, je dirais. Mais il était père. Il est quoi? L'esprit qui était, il savait ce que son père. Le quoi, t'as dit? Son père qui a s'aimé à sa maman. Mais t'as dit le faux. Le quoi? La fouine bien les nerfs. Je suis tellement teigneuse que même ma rage à la haine, c'est te dire mon degré de nervosité. À ce stade de bêtises, je me demande si la France est encore un pays ou une cour des miracles. Et je dis cela car c'est sidérant de voir un tel déballage de conneries après l'horreur qui a eu lieu à Annecy ce jeudi 8 juin. Et le dimanche, nous avons eu droit à une belle chanson et à la présentation d'une toile. Alors la chanson, on aurait pu s'en passer, et la toile soulève chez moi plein de questions. Si le maire l'a commandé, il a fait ça le jour même de l'agression ou le lendemain. Et le peintre l'a réalisé entre vendredi et samedi pour un résultat qui ne représente en rien le drame. Et le pompon c'est ça. Écoutez ces mots que j'adore, votre voix au son caressant, qui les murmures frémissants, me berce de sa belle histoire, et malgré moi je vous y crois. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Alors je me trompe peut-être, mais c'est le maire qui filme avec son GSM. Et la décence, les gens viennent avec le cœur serré, ils pensent au gamin poignardé et un homme filme au calme avec son GSM. Suis-je la seule à le remarquer, à en être choquée? Putain de merde, je vais finir par croire que ce pays mérite son sort. Bonne soirée les pleureuses.